Et voici le début du voyage de Jennifer. Salut Arnaud. Salut Jenny. Qu'est-ce que tu fais là? Tu pars à Bali toi aussi? Putain, j'aimerais bien partir à Bali. Là, je me suis fait enrôler là pour venir ici hein, pour assister à ce triste spectacle. Je vais me laisser sur la terre ferme. Hein. Et puis voilà. Alors raconte-nous où on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui va se passer. Bah là, on est un jour en Jamaïque, tu vois, il y a un peu de reggae. Ouais. Et puis, c'est parti, regarde, on est autour, il y a l'aéroport autour de nous. On est parti pour 10, elle est partie pour 10 heures de voyage. Et puis, pas à côté de la fenêtre, c'est dommage. mais voilà quoi. Là, on a deux heures à passer ensemble pour raconter de meilleures histoires. Mm-hmm. Et puis voilà. Donc les gars, si jamais elle disparaît, c'est à moi que vous devez avoir affaire. Je vous raconterai ce qui s'est passé dans les temps. Ok. Donc une petite dédicace au papa et à la maman là, qui sont pas là. Et puis à la sœur Coca là, qui est au chaud en Espagne. Bon, alors, puisque Arnaud ne l'a pas dit, on est le 13 décembre. Ouais, j'ai oublié. On est le 13 décembre 2010. On est à Charles de Gaulle, il est 10h50, on a embarqué il y a à peu près une demi-heure, je voyage avec la Coréenne, on a enregistré le bagage, je voyage avec la Korean Air et on a vraiment du bol parce que finalement on emprunte un avion de Air France jusqu'à Séoul. Moi et les autres chanceux qui voyagent aujourd'hui. Et voilà. Et alors, t'es vraiment content d'être là? J'en peux plus, attends, vous voyez mon sourire là quand même. Et tu penses que tu vas revenir? Oui. Je pense. J'espère. Bon, si jamais tu reviens pas, tu nous fais une petite place au soleil avec toi, on verra de voir. Et vous êtes tous les bienvenus. Et puis avec ou sans moi, enfin il faut aller à Bali quoi, c'est the place to be hein, c'est pas autre chose. OK. Et tu fais une petite dédicace à quelqu'un? À moi-même parce que franchement respect quoi, partir tout seul pendant 2 mois au bout du monde, je trouve que c'est chouette. Et puis on remercie l'univers. Je te remercie toi, mes sœurs, ma mère, mon père. Et comme dit le proverbe, je vous aime bien mais je me préfère. Hein.